Vous me dites que ça serait bien d'avoir quelques moyens pour pouvoir développer le projet de vos rêves sans terminer à la rue. Alors vous avez besoin d'un modèle économique. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération d'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir en introduction qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique. Alors un modèle économique, la définition la plus simple que je puisse vous trouver, c'est le moyen de rendre possible un projet de façon durable, tout simplement. Et donc c'est pas forcément de l'argent, ça on va voir qu'il y a plein de façons différentes, mais l'idée c'est de pouvoir continuer le projet sans la durée, avec les moyens nécessaires pour développer le projet, et avec les moyens nécessaires pour que vous puissiez, sans être à la rue, continuer le projet, lorsque vous en avez besoin, bien sûr. Alors, sans devoir s'arrêter en cours de route, hein, ça serait dommage que votre projet il s'arrête parce que vous l'avez peut-être testé, il a commencé à bien marcher, etc. Et puis, par manque de moyens, parce que bah, vous n'avez plus de moyens pour le projet, mais aussi pour vous, effectivement. Alors, pour ça, eh bien, pour lancer un projet en bien commun, hein, lorsque là, on parle évidemment plutôt de projets qui vont servir au maximum de gens, pas simplement de consommation, mais plutôt pour l'intérêt collectif bien commun, eh bien, on va commencer. Premier conseil, commencez petit. On a toujours tendance à vouloir avoir besoin de plein de moyens, mais très souvent, vous pouvez commencer que rien. Pourquoi? Parce qu'au départ, même si votre projet vous semble extraordinaire, vous n'êtes pas sûr qu'il va plaire, il va intéresser. Peut-être qu'il va falloir l'adapter avant qu'il commence à plaire. Beaucoup de projets qui aujourd'hui marchent très très bien ont commencé en étant très différents et puis petit à petit se sont adaptés. Donc au début, eh bien, je vous conseille de commencer avec rien. Alors si vous voulez développer une centrale nucléaire, là vous avez besoin de gros moyens au départ peut-être, mais dans votre cas de figure, eh bien vous pouvez très probablement commencer tout petit, très simple, et puis de commencer à tester. Et puis une fois que vous avez fait ça, eh bien le modèle économique du coup il vient à la fin, c'est-à-dire eh bien pour continuer à développer une fois que vous avez testé. Donc vous pouvez développer votre projet, hein, mais vous avez avant eh bien testé déjà que ça commence à marcher, ou alors vous avez fait les adaptations nécessaires pour que le projet qui vous semblait bien, eh bien commence à rencontrer effectivement son public. Et du coup, eh bien, ça va permettre de le rendre suffisamment robuste, c'est-à-dire de manière à ce qu'il puisse continuer le plus longtemps possible. C'est-à-dire que malgré les aléas, malgré les difficultés, eh bien, vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire en sorte que non seulement vous puissiez développer les nouveaux produits ou services qui vont l'améliorer, mais aussi, eh bien, produire les nouveaux produits si c'est nécessaire, etc., etc. Alors, pour ça, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est d'avoir les bonnes questions. Et vous allez voir que les réponses, vous allez les trouver vous-même, parce que chaque projet est évidemment différent, donc les adaptations vont être différentes, mais les questions à se poser sont les mêmes, et c'est toujours des questions auxquelles on ne pense pas forcément toujours. Donc je vais vous proposer des questions au fur et à mesure des vidéos, et puis vous allez pouvoir effectivement trouver vos réponses à vous. Alors, par exemple, de quoi avez-vous vraiment besoin pour votre projet, mais aussi pour vous? Est-ce que finalement, vous pouvez développer ça tranquillement, en attendant et sans avoir besoin de moyens supplémentaires pour vous, par exemple. Et puis, comment et pourquoi on va mutualiser? Parce que comment on peut s'aider, s'entraider avec les autres, hein? Donc, on peut faire pas mal de choses. Ça peut gagner effectivement beaucoup de temps et beaucoup de moyens, hein, pour faire ça. Combien ça vous coûte de vendre ou de donner une chose? Par exemple, si vous faites un produit, eh bien, chaque produit nouveau va avoir un coût pour vous, et donc il va falloir pouvoir le répercuter, mais peut-être que vous allez devoir répercuter aussi ce qu'on appelle l'investissement là-dedans. Mais finalement, chaque produit nouveau, eh bien, va avoir un coût supplémentaire ou non, peut-être, et on va voir comment effectivement être assez astucieux là-dedans. Et puis, ben, il y a aussi l'investissement au départ, c'est l'investissement en temps, en argent, etc., pour pouvoir développer le produit. Et ça, eh bien, c'est quoi les meilleurs investissements? On va voir que c'est pas forcément ceux auxquels on pense tout de suite. On va avoir aussi comment apporter la plus grande valeur au plus grand nombre. Parce que pour que votre produit ou votre service il se développe, eh bien, il faut qu'il soit réellement utile et puis, si possible, à un grand nombre de personnes. Et on va voir aussi quelle contrepartie pour votre produit. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Ça peut être des choses qui peuvent vous apporter énormément par la suite. Donc, on peut faire un panachage avec beaucoup plus de choses qu'on l'imagine. Et enfin, on terminera pour reprendre tout ça avec toutes les questions pour essayer de trouver votre propre modèle économique adapté. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemples que je vous donnerai pour voir des modèles innovants qui changent un petit peu simplement de l'achat-vente tout bête, mais avec des choses un petit peu plus subtiles, comme par exemple mon propre modèle économique. À moi. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Vous allez aller sur ce site-là. Alors, si, peut-être que vous y êtes déjà, parce que cette vidéo est l'introduction de cette formation gratuite sur les modèles économiques que je vous offre. Mais sinon, eh bien, allez d'abord sur cette adresse-là. Donc, vous pouvez la trouver ici.
Et puis ensuite, eh bien, télécharger le document de travail que vous allez avoir. Et le document de travail va voir les différents points avec les différentes questions et les 7 vidéos que l'on a vues. Donc après, eh bien, regardez la vidéo, enrichissez-vous des exemples donnés, etc. Et répondez aux questions pour vous. Et petit à petit, comme ça, en 7 étapes, eh bien, vous allez constituer votre propre modèle économique. Encore une fois, pas simplement a priori sans avoir de projet. Non, développer un projet et commencer, lorsqu'il est intéressant, à trouver votre modèle économique. Alors bien sûr, vous pouvez aussi commenter, hein, n'hésitez pas à commenter en dessous. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner sur YouTube pour avoir les nouvelles vidéos avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur mon blog, que vous soyez sur la formation elle-même, que vous soyez sur tous ces éléments-là. Ça aide beaucoup ces contenus à rendre plus visibles. Et vous pouvez télécharger également le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.